Bonjour à tous, c'est Tuto Facile France et aujourd'hui on se retrouve pour un super glitch sur GTA V Online en 1.12 qui va vous permettre enfin de pouvoir revendre vos véhicules à 700 000 en boucle. Alors je tiens à remercier un youtubeur qui s'appelle Lassalle qui m'a quand même bien mis sur la voie avec un glitch qu'il a trouvé pour vendre les véhicules à 130 ou 140 et quelques mille. Mais là du coup je pense que c'est une exclusivité française, en tout cas ça c'est sûr et certain, pour la vente à 700 000. Donc vous allez commencer par acheter un Karine Rebelle. Vous achetez un Karine Rebelle, peu importe la couleur, on s'en fout. Ensuite, je vais vous montrer que je suis bien en 1.12. Alors par contre, pour ce glitch, vous aurez besoin d'être deux. C'est le seul inconvénient de ce glitch. Et vu tout ce qu'ils ont patché, je pense que ça va être pas forcément tout de suite qu'on va en trouver un en solo. Donc vous avez bien pu voir que je suis bien en 1.12. Donc vous allez rentrer dans votre garage, attendre que le rebelle soit livré. Donc dès qu'il est livré, vous grimpez dedans et vous sortez. Direction le LS Custom. Donc votre pote faudra qu'il monte avec vous. Donc c'est important d'acheter le Karim Rebelle parce que c'est un véhicule qui est revendable à la base, qui va servir pour le glitch et c'est le moins cher. Donc tant qu'à faire, on prend un Karim Rebelle. Donc direction le LS Custom. Et là vous allez commencez par sortir le téléphone, vous mettre devant le custom pour qu'il ouvre la porte et appeler le mécano. Donc dès que vous avez la liste de véhicules qui apparaît, vous rentrez dans le custom, vous vous placez sur le côté et vous descendez, vous sortez du custom. Votre pote doit rester dans le Karine Rebelle, donc il bouge pas, il vous attend. Donc vous sortez du custom, vous pouvez enlever la liste du mécano, vous faites B pour sortir et direction votre garage. Donc vous allez rentrer dans votre garage et sortir avec la voiture que vous voulez dupliquer et vendre 700 000. Donc Adder, Entity, les voitures qui se vendent les plus chères. Vous sortez tout simplement et vous partez au LS Custom. Donc bien sûr à la base il faut que ce soit une voiture qui soit vendable quand vous l'emmenez au custom, faut qu'elle puisse se vendre déjà à la base 700 et quelques mille ou 600 et quelques mille, enfin faut que ce soit une voiture qui soit vendable déjà plein pot. Si c'est pas une voiture vendable plein pot, ça ne marchera pas. Donc une fois que vous êtes devant le custom, vous faites ouvrir la porte, vous rappelez le mécano, vous rentrez dans le LS Custom, vous allez ressortir de votre véhicule. Vous allez rentrer, enfin vous allez faire sortir votre pote du Karine Rebelle. Faut toujours laisser et vous pouvez voir en bas que j'ai un véhicule qui spawn sur la carte. Donc vous ressortez et vous rentrez dans la Adder. Pendant ce temps-là, votre ami il va se diriger dehors et aller récupérer votre véhicule qui est dehors, rentrer dedans et l'emmener assez loin de vous. Donc vous voyez, il rentre dedans et il part avec. Donc moi, je suis rentré dans la Adder et je vais demander, je vais toujours placer sur le téléphone donc, et je vais faire ma demande de rebelle. Il me dit que je peux pas car
je suis déjà avec mon véhicule personnel. Et quand mon pote sera assez loin, il me dira que je peux. Donc il faudra que votre pote sorte de la voiture. Et quand il vous aura confirmé qu'il est sorti, vous allez appeler le rebelle. Et dès que vous aurez appelé le rebelle, vous allez faire droite pour rentrer dans le custom. Là, vous allez vous placer sur vendre et vous pouvez voir, comme par miracle, que vous pouvez vendre votre Vador 740 et quelques mille. Donc, avant de la vendre, vous allez cliquer une première fois pour qu'il vous demande de confirmer. Vous allez attendre qu'il y ait le petit rond. C'est très important. Vous attendez, hop, et une fois qu'il est parti, vous cliquez pour valider la vente du véhicule. Une fois que vous êtes sorti, c'est pas tout à fait terminé. Alors vous allez rentrer, vous allez prendre votre Karine Rebelle ou pas pour revenir à votre garage. Mais vous le rentrez surtout pas le Karine Rebelle dans votre garage. C'est très important. Donc vous vous garez devant, vous sortez du véhicule et vous rentrez dans votre garage. Donc vous allez voir que la header, elle est toujours là. Donc vous allez, pour finir le glitch, vous allez rentrer dans votre radar et sortir une fois dehors. Une fois que vous l'aurez sorti dehors, il vous suffira simplement de la rentrer. Et puis, si vous voulez continuer le glitch, il vous suffira simplement de racheter un rebelle et de recommencer l'opération. Je l'ai testé 3-4 fois d'affilée, ça fonctionne très bien. Donc là, je vais sortir et puis me diriger au custom avec la voiture juste pour vous montrer que c'est toujours l'original. Voilà, vous voyez qu'elles sont toujours 700 et quelques mille. Donc voilà, le tuto, il est terminé. J'espère que ce glitch vous aura plu parce que c'est vrai qu'avec le 1.12, la plupart des trucs ont été patchés comme d'habitude. Donc voilà. Je les aurais bien niqués. Je suis bien content d'avoir trouvé ce glitch là et j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était Tuto Facile France et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.